Nous venons encore à toi, ô Père, n'étant rien, Seigneur. Nous venons pour que tu réconfortes nos âmes. Amen. Dans ces temps de troubles, Seigneur, tu as cherché un lieu de repos. Et nos cœurs, nos âmes ont été élus, Seigneur, par ta grâce souveraine. Aussi, Seigneur, nous venons à toi pour que tu fasses de nous ce que bon te semble, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, ô Dieu des vases, toi tu es Père, ô Dieu, celui qui décide sur le vase. Nous sommes l'argile, toi tu es le potier. Fais de nous ce que bon te semble, alors que nous attendons à toi. Mets-moi de côté, loin chacun de nous. Exauce nos requêtes de tous les jours. Délivre chacun de nous du malin, Seigneur. Amen. Oh Dieu, nous venons ici comme un peuple nécessité. Apporte, Seigneur, la solution au problème. Apporte, Seigneur, la solution au soupir inexprimable. Ouais, Seigneur, nos soupirs. Oh Dieu, ouais, nos vies, nos pensées. Pour que, Seigneur, oh Dieu, ça devienne des prières, Seigneur, des parfums de bonne odeur. Nous venons, Seigneur, à toi. Touche nos cœurs, touche nos âmes, marche au milieu de nous. Oh Dieu, tu as promis que tu marcheras avec nous, que tu seras au-delà de nous, Seigneur, comme tu l'as été avec les apôtres et les miracles suivaient, Seigneur. Nous voulons te voir au-dedans et tout autour de nous. Tout autour de nos enfants. Oh Dieu, nous ne serons jamais rassasiés de tes miracles. Nous voulons te voir parce que tu es un Dieu de miracles, de signes et de prodiges. Oh Père, tu es un Dieu qui transforme les cœurs et qui fait de nos cœurs ton lieu de repos. Sois loué, sois glorifié. Bénis tous tes enfants qui travaillent dans cette église. Bénis toutes les familles qui viennent ici. Seigneur, nous savons que tu es là. Exaucez chacun de nous. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire dans Matthieu, au chapitre 16, du 7, 18. Nous sommes toujours dans le sujet sur l'Église. Nous avions d'abord posé la question de savoir quelle église nous bâtirons, quel sera le lieu de mon repos. Et maintenant, nous continuons toujours sur cette lancée en parlant de l'identité d'une vraie église. Donc, nous allons poser encore certaines questions et chercher des réponses prophétiques parce que le prophète a répondu à toutes les questions. Et le prophète qui a répondu à toutes les questions, ce n'est pas un homme. C'est Jésus-Christ lui-même. Parce que Frère Branham a dit, je dois vous quitter pour de bon. Nous ne serons pas deux sur la même scène. Et Jésus est réellement descendu. Il s'est fait photographier. Il a répondu à toutes les questions. Amen. Matthieu au chapitre 16, verset 17, lisons ensemble. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est au ciel. Je t'ai dit que tu es Pierre, et sur cette roque, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Seigneur, je confie ton onction à la lecture de cette parole. Bénis-nous encore. Amen. Amen. Donc, notre sujet, comme c'est marqué là, l'identité d'une vraie église. Alors, pour connaître l'identité d'une vraie église, le prophète du temps de la fin, William Lane Branham, il nous a prêché un message intitulé « Les cinq identifications de la vraie église ». Les cinq identifications de la véritable Église, nous n'avons pas de message particulier à vous apporter. Et nous vous disons simplement d'insister sur le prophète. Et quand vous quittez ici, rentrez à la maison, lisez le prophète. Vos enfants, nos enfants doivent lire le prophète. Vous devez mémoriser
certaines citations de la Bible, comme Frère Tim vous a poussé à mémoriser Malachie 4. Amen. Voyez-vous, ce sont des citations qui doivent être en vous. Et moi, je vous dis par expérience que quand vous mémorisez les citations bibliques, parce qu'elles sont divines, parce que ce sont des écritures de la Bible, il y a une onction qui va descendre sur votre cerveau, alléluia, une onction spéciale va descendre dans votre mémoire pour augmenter encore votre capacité, votre intelligence. Amen. Parce que la vraie intelligence, elle vient de Dieu. Je vous dis la vérité. Amen. Ce que je vous dis, ce n'est pas de la théorie. Non. Voyez-vous, nous sommes passés par là. Nous nous disions, mais nous étudions, nous allons à l'école. Nous lisons géographie, histoire. Nous lisons des gros cours, sciences. Nous mémorisons les différentes cellules. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous comprenons également que nous avons réalisé avec le temps que quand nous mémorisons toutes ces citations dont le Seigneur a parlé, toutes ces citations qui sont sorties de la bouche de Dieu, et la bouche de Dieu, ce sont les prophètes. Voyez-vous? Alors il y a une onction spéciale qui va vous rendre. Allez, vous allez prier. Amen. Vous allez prier. Parce que quand nous vous prêchons, ça ne doit pas être que l'écriture. Il faut que la puissance de Dieu vous amène dans la révélation, voyez-vous, dans une compréhension qui n'est pas la vôtre, mais qui est de Dieu. Et cette compréhension, cette révélation, va vous pousser dans la puissance divine et qui va confirmer les promesses de Dieu dans votre vie. Amen. Voyez-vous, c'est ainsi qu'ici, l'écriture fondamentale que nous avons lue, c'est Matthieu 16, où Jésus dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé qui je suis. Ceci revient à dire que le problème des églises, ce n'est pas le problème des chairs et des sangs. Amen. Amen. Le problème des promesses de Dieu n'ont rien à voir avec la chair et le sang. Ça doit commencer par la révélation, par le Père qui est le Logos. C'est ainsi qu'il a été dit. Ne peut servir Dieu que celui qui est passé dans le désert. Amen. Et qui s'est fixé rendez-vous avec Dieu, sans qu'il ne le sache. Et quand il est dans le désert, amen, le désert signifie aussi la consécration, la privation. Vous quittez le monde et les choses du monde. Amen. Vous avez ce désir-là de rencontrer Dieu. Comme le prophète le dit, il aime nous voir faire quelque chose. Quand le Seigneur voit que vous avez le désir de les rencontrer, de les servir, vous ne savez pas les trouver. C'est lui-même qui viendra vous rencontrer. Amen. Au travers de la colonne de feu, c'est là que commence le service divin. Là, vous recevez votre appel par la colonne de feu. Et la colonne de feu est infaillible, c'est le Logos, c'est la colonne de feu qui a créé toutes choses. Voyez-vous? Et la colonne de feu, elle est fondamentale pour les débuts d'un ministère. Et quand je dis ministère, ce n'est pas simplement un ministère, c'est le ministère de l'épouse et vous, vous êtes dedans. Amen. Il a été dit ici, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est la même en Père. Le Père, c'est le Logos qui est au ciel. Amen. Quelle maison me bâtirez-vous? Le ciel est mon trône. Et le ciel dont il est question ici, c'est votre âme. Amen. Et votre âme se trouve dans le cœur. Le cœur, c'est le siège de l'âme. Et l'âme, frère, mon âme dit, c'est la théophanie, la forme de Dieu. C'est ainsi que précédemment, nous avions dit dans Attitude qui est Dieu, que quand Dieu a créé, amen, Dieu n'a pas créé Adam. Il faut faire une différence entre Adam et l'homme de Genèse 1. L'homme de Genèse 1 qui avait été créé, ce n'est pas Adam. Adam signifie tirer de la poussière. Amen. Amen. Alléluia. Adam, c'est Genèse 2. Adam, c'est la chair formée. L'homme créé, c'est l'homme de Genèse 1. Et frère Branham dit dans Attitude qui est Dieu,
que l'homme de Genèse est, c'est l'invisible. Dieu est invisible. Alléluia. On ne vous a jamais vu, l'Israël. Même papa ne t'a jamais vu. Amen. Les enfants, on ne vous a jamais vu. Hein, Séraphin, Timéke, tous les autres. On ne vous a jamais vu, frère Samuel. Moi, je ne t'ai jamais vu. Amen. Amen. Hein, on ne t'a jamais vu. Tu es invisible. Amen. Ça, ce n'est pas toi, Sœur Judith. Amen. Ça, c'est ta chair. Amen. Toi, tu es à l'intérieur. Amen. Et le problème des églises, comme nous l'avions dit, c'est le problème de l'homme intérieur qui doit être racheté par la parole de Dieu. Être racheté, ça signifie quoi? Racheté signifie être ramené au commencement. Être ramené dans le monde de Genèse 1. Quand tu étais la colonne de feu, quand tu étais la nuée de gloire, amen, quand tu étais le Saint-Esprit, c'était ramené au Saint-Esprit, alléluia, c'est ça l'identité de l'Église. Amen. Oui, l'Église commence par là, l'identité de l'Église. C'est quoi? C'est qu'il y a un roc, la révélation, le Saint-Esprit qui rencontre le Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous? Et il y a une union invisible. C'est ainsi que l'Église n'est pas visible par les yeux de la chair et du sang. L'Église, amen, c'est dans l'invisibilité. C'est dans un autre monde. Le monde de Genèse 1. Alors l'Église commence par là. Une telle Église, aucun démon de l'enfer ne prévaudra contre elle. Alléluia. C'est ainsi que l'identité de l'Église, frère Branham, parlant des cinq identifications de la véritable Église, il a aussi posé cinq questions. Première question, qu'est-ce que c'est qu'une Église? Ça c'est la question numéro 1, question numéro 2, qui a fondé l'Église? C'est frère Tim, c'est frère Armand, c'est frère Samuel, c'est qui? C'est Ryan qui a fondé l'Église? Hein? Ou c'est qui? C'est maman pasteur qui a fondé l'Église? Qui est le fondateur de l'Église? Si nous sachons, si nous savons répondre à cette question, nous n'allons pas nous embrouiller dans des dénominations. Amen. Amen. Voyez-vous, qu'est-ce que c'est qu'une église? Qui a fondé l'église? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, quel est le message de l'église? Alléluia. Voyez-vous, la quatrième question, comment on entre dans cette église? La dernière question, peut-on aller au ciel? Alléluia! Le ciel est mon trône. Peut-on aller au trône de Dieu sans cette église? Voyez-vous? Le trône, c'est le ciel. Et le ciel, c'est ton âme si tu es de Genèse 1. Mais si tu n'es pas de Genèse 1, ton âme, c'est l'enfer. C'est le diable. Amen! De deux choses l'une. Où tu es Dieu incarné, où tu es appelé à être Dieu incarné, chez Rocha et chez Val Blanc, qui s'appelle la parole de Dieu, où tu es le diable, chez Rocha et chez Val Pâle, qui s'appelle la mort, où tu t'appelles la vie, où tu t'appelles la mort. Quand tu t'appelles la mort, ça signifie que tu es juste un homme de chair et de sang. Hein? Une pauvre créature du temps. Et tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ça, c'est la chair. Mais toi, qui es-tu? Est-ce Dieu de Genèse 1 qui est la véritable église? Alléluia! Amen. Ou Dieu de Genèse 2, l'homme formé à l'image du diable, à l'image de la bête et de la chair. Ça, c'est quand nous venons ici, il n'est pas question de cette chair. Donc, nous ne misons pas sur la beauté. Nous ne sommes pas là. L'habillement, c'est bien tout cela. C'est bien d'essayer d'être propre. Nous ne misons pas sur l'argent. Sur des beaux bâtiments, tout cela, c'est bien. Mais notre royaume n'est pas d'ici-bas. C'est le ciel, c'est Genèse 1. Et frère Branham est venu pour nous rendre.
ramené à Genèse 1, c'est là que se trouve la vraie église. C'est ainsi que quand il commence à répondre à la première question, qu'est-ce que c'est qu'une vraie église? Qu'est-ce que c'est qu'une église? Il dit, une église, c'est des gens qui sont appelés à sortir du monde, qui sont différents du monde, qui sont séparés du monde. Alléluia! Qui sont sortis de Babylone, des cultures égyptiennes, des cultures françaises, des cultures congolaises, parce que ça c'est la chair, qui sont sortis de l'Égypte. Si vous êtes en Égypte, vous êtes encore le peuple de Dieu. Même si vous êtes là dans la boisson, dans la cigarette, dans des histoires impossibles, vous pouvez être un peuple de Dieu. Mais vous n'êtes pas encore devenu une église. Une église, c'est celle qui est appelée à sortir d'eux, qui est séparée, amen, qui est rendue différente des autres. Alléluia. On va voir la différence pour qu'on puisse commencer à parler de l'église. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'une église? C'est un groupe de gens appelés à sortir. Et quand ces gens-là sortent d'Égypte, sortent de Sodome, sortent de Gomorre, amen, sortent de Bruxelles, alléluia. Amen. En ce moment, on peut les appeler église. Amen. Quand ils sortent, ils abandonnent des choses immondes. Ça, c'est la définition que Frère Branham a donnée. Une autre définition, c'est que l'église, c'est le royaume de Dieu, où Dieu est roi, où Dieu règne. Amen. Amen. Et Dieu règne comment? Alléluia. Dieu a régné comment? Dieu a toujours régné par les prophètes. Amen. Amen. Quand vous rejetez les prophètes, vous rejetez Dieu. Donc ça c'est une autre définition que le prophète a donnée. Le royaume de Dieu. Il n'y a pas de royaume sans trône. Pour qu'on parle d'un royaume, il faut qu'il y ait un trône. Merci, frère Tim, d'avoir effacé ici. Amen. Donc l'église, c'est aussi le royaume de Dieu. Et dans ce royaume-là, vous êtes tout un royaume, vous. L'homme est un royaume. Hein, frère Tim a poussé les enfants à aller chercher. Vous avez trouvé que l'homme a 24 côtes. Ce sont 24 trônes. Amen. Et ces 24 côtes protègent le cœur. Le cœur, c'est un trône. C'est ce que la Bible dit. Si Dieu, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Parce que le cœur, c'est un trône. Un cancer, merci pour la question. Que Dieu te bénisse. Pourquoi Dieu aime les cœurs? Parce que Dieu, pour diriger un homme ou une femme, c'est par le cœur. Alléluia! Dis-moi où se trouve ton cœur, je te dirai où se trouve ton trésor. Quand tu es ici, où est ton cœur? Alléluia! Dieu voit ton cœur. C'est ce que dans ce temps de la fin, il a envoyé un ministère de discernement des pensées du cœur. Il a envoyé un ministère, le ministère d'Élie les prophètes, pour ramener le cœur. Et Élie qui ramène, ce n'est pas un homme, frère Stéphane. L'Élie là qui ramène, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen les enfants. L'Élie que nous avons reçu aujourd'hui, c'est Jésus-Christ lui-même. Il ramènera le cœur. Le cœur, c'est le lieu très saint. C'est là où se trouve le trône. Et le trône qui se trouve dans le cœur, là, pour les croyants, c'est le trône éternel. Amen. Amen. C'est le trône, alléluia, du Fils de David. Alléluia! Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Mais ici, il y a, au lieu de ça, il y avait un trône du Père. Amen. Et puis ici, c'était le deuxième exode de l'Église. Amen. Ça, c'est premier exode. Dans le premier exode, c'était la chair. Amen. C'était la chair qui est le parvis extérieur. Ça, c'est du temps de Moïse. C'était la chair, la circoncision de la chair. Quand on disait vous êtes mort, on vous voit. La lèpre, on la voit. Les sauterelles, on le voit. Amen. Ça, c'était le premier exode, la première église qui quitte l'Égypte. Amen. Amen. Qui quitte l'Égypte, qui traverse la mer Rouge, le baptême en Moïse. Pas le baptême au nom de Moïse. Alléluia. C'était pas un baptême au nom de Moïse, mais c'était le baptême en Moïse. Amen. Ils devaient croire totalement en Moïse. Parce que Dieu les avait mis en épreuve. Je descendrai, je vais parler. Quand Dieu parlait, c'était des tonnerres. Et Israël n'a pas su écouter cela. Ils ont dit non, que Dieu ne parle pas. Nous allons mourir. Nous risquons de mourir. Oh, que Moïse nous parle. Amen. Et dès ce moment-là, Dieu a décidé de régner sur son peuple par le prophète. Voyez-vous, et Moïse les a conduits d'Égypte à la terre promise. Premier exode, c'est Égypte, terre, Canaan. Amen. C'était physique. C'était pas spirituel. Oh, je vais vous conduire dans un pays où coule du lait et du miel. Ça, c'est toujours le langage de Dieu. Mais les incrédules, quand ils pouvaient arriver là, je me dis, où est du lait? Où est du miel? On ne voit rien. Alléluia! Le langage de Dieu restera toujours le langage de la révélation. C'est destiné à ses enfants. Parce que Dieu est hyper intelligent. Il ne s'adresse pas à la chair, grande sœur. Il s'adresse à ton cœur, grande sœur. Quand je dis grande sœur, c'est vous tous. Hein? Hein? Vous tous, nous vous aimons. Amen. Mais quand il y a un modèle, nous ne devons pas avoir une honte. C'est Dieu qui se révèle. Amen. Quand vous voyez un modèle différent, vous tous aussi essayez de suivre ça, c'est pas mauvais. Amen. Dites, ah, la grande sœur, elle pose des questions, elle cherche. Moi aussi, je dois chercher. Vous avez tous les mêmes capacités. Amen. Essayez de faire ça. Nous, à l'école, hein, nous faisions ça. Ah, mais lui, comment il peut avoir 20? Moi, j'ai 11. Comment tu as fait? Amen. Comment tu as fait? C'est ça l'humilité qui précède la gloire. Amen. Et demain, toi, tu as 20, lui, il a 10. Oh, comment tu as fait? Tout est fonction du travail. Amen. Dieu n'aime pas les paresseux. Les rois fainéants. Des gens qui n'aiment que manger, boire. Dieu aime des courageux. Amen. Amen. Quand vous voyez Frère Tim devant ici, c'est un courage. Quand vous voyez tous ces frères ici qui travaillent dans l'église, ce sont des courageux. Ils ont été testés. Amen. Amen. Éprouvés. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier exode. Hein? C'est exode physique. Premier exode de la chair. Vous voyez, c'est la chair. Et puis, deuxième exode maintenant, on prend les gens des Canaan. Amen. Le deuxième exode de l'église éternelle. Nous ne parlons pas d'une église temporaire ou temporelle. L'église ne finira pas. Il ne faudra pas dire, voilà, c'est la fin de l'exode. On retourne en Égypte,
on retourne dans la chair. Hein, princesse Moses, où est-ce que tu vas nous conduire? Je vais vous conduire chez Pharaon. Non, nous y trouverons la mort. Non, de la nourriture. La nourriture d'Égypte. Mais c'est la mort. Amen. Il faut simplement qu'une statue, hein, une idole nous précède. Hein, on doit mettre juste une idole devant. Alléluia. L'histoire se répète. Exactement. Vous mettrez une idole devant. Exactement. Vous allez retourner droit vers Sodome et Gomorrhe. Ceci reviendra dire, vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Parce qu'en vous, il n'y a rien. Vous êtes une pauvre créature du temps. Il y a des gens dont la place se trouve dans le monde. Ils viennent à l'église, mais leur place n'est pas à l'église. Amen. C'est-à-dire que Jésus les chassait. Allez-vous-en. Et vous, pourquoi vous ne partez pas? Parmi vous, il y a un démon. Alléluia. Pasteur Tim, quel genre de pasteur tu es? C'est la décroissance numérique, frère Yoga. Alléluia. Tu chasses les gens de l'église. C'est la parole. Amen. Notre contrat, c'est la parole. Amen. Amen. C'est la parole. Qu'est-ce que dit la parole? Nous nous soumettons du haut de la chair jusqu'au dernier moment. Je ne parle pas de l'écriture. Amen. Parce que la lettre est tue. Quand nous avons l'écriture, il faut une inspiration. Amen. L'inspiration, ça vient du ciel. C'est la révélation. Amen. Et puis cette révélation amène la puissance qui confirme la vie de Dieu dans notre vie. C'est ce que nous voulons. Nous avons assez donné écriture, 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 c'est très bien. Mais de l'écriture, il faut qu'il y ait cette révélation. Amen. Il faut Amen. Que nous soyons comme des pierres. Ce ne sont pas la chair et le sang. Alléluia. C'est mon Père qui est dans le ciel. Et ce Père la marche parce qu'il avait dit, je serai avec vous, même en vous, si vous observez les prescriptions. Même quand vous lisez Marc et 16, les gens voient des miracles, mais il est dit vers la fin que l'Éternel marchait avec eux. Amen. Il est Jéhovah Shammah. Alléluia. Je marche avec vous. Et vous le voyez. Il ne vous montre pas plus loin. Vous, c'est le présent. Le futur, c'est lui. Aujourd'hui, si on vous montre, vous reculez, même 30 ans avant. Hein? Et Dieu vous montre ce que vous serez. Vous allez vous en orgueillir. Il ne vous montre pas. Et quand vous en arrivez, ah, merci Seigneur. Alléluia. Voilà ce que tu as fait de moi. Amen. Oh Seigneur, merci. Et ça vous fait encore confiance. Amen. Ça vous redonne la force. C'est ça la force de la révélation. Mm. Ça, c'est simplement pour les hommes. Amen. Donc, premier exode, c'est de l'Égypte à Cana. Ça, c'est déjà accompli. Pays où coule du lait et du miel, c'est déjà accompli. Alors, le charnel n'a qu'à aller en Palestine, en Israël, pour chercher écriture à l'appui là où coule du lait et du miel. Ils trouveront passer. Amen. C'était un langage. Comme Dieu marchait avec eux, ils devaient, amen, travailler et Dieu bénissait leur travail. Amen. Amen. Et ils devaient faire du chant, Dieu bénissait le chant. Dieu bénissait l'œuvre de leur main. Amen. Amen. Mais ils devaient d'abord obéir. Alors le deuxième exode de l'église éternelle, l'église en marche, amen, c'est de Cana au baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Ça, c'est la deuxième marche. Et de là, nous voyons aussi les réponses à la deuxième question. Ou à la troisième question. La deuxième question, qui a fondé l'Église? C'est Jésus-Christ, la colonne de feu. Amen. Sur ces rocs, la révélation. Amen. C'est ainsi que nous croyons ceci. Nous croyons que, amen, quand il a été dit que
tu es Pierre. Il ne s'agissait pas de l'homme Pierre, la chair et le sang. Amen. Jésus, Dieu n'a jamais fondé son église sur Pierre, ni sur l'homme Jésus. Amen. C'est sur la révélation. Alléluia. Donc la fondation commence par la révélation. Et le fondateur de l'église, c'est le Père, le Logos, Jésus-Christ lui-même. Amen. Et nous voyons aussi le message de l'église. Le message, quel est son message? Son message, c'est de quitter l'Égypte. Amen. Amen. C'est de se repentir des choses égyptiennes. Amen. Donc il faut se repentir. Quitter réellement l'Égypte. Il faut une puissance qui te fait quitter l'Égypte. Amen. Amen. Il faut une puissance de la repentance. Ce sera le message. Amen. À apporter. Amen. Et ce message est apporté par l'esprit d'Élie, de Moïse et de Christ. C'est ce qu'il a été dit dans Malachie 4. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Voici le jour vient. Hein, le jour de l'Éternel vient, ardent comme une fournaise. Ce jour-là va les embraser. Va embraser les méchants. Ceux qui ne craignent pas Dieu. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Alléluia. Donc même cette venue-là, elle est double. Et elle s'adresse avec rigueur, le bâton de commandement pour taper les méchants, pour les réunir ensemble. C'est ce qu'on dit ce jour-là, c'est grand, redoutable. Oui, redoutable pour les méchants. Redoutable pour les pauvres créatures du temps. Parce qu'ils sont réduits ensemble. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Ça sera le repos. Le soleil, c'est le millénium. Amen. C'est le repos de ton âme. Oui. Le soleil là. C'est ainsi que, ici, de la terre promise au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi le message de l'Église. L'Église doit continuer à prêcher le baptême du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Amen. Quand une église ne prêche pas ça, ce n'est pas une vraie église. Il faut que les gens viennent. Ils sont lavés dans le parvis extérieur ici. Amen. Ils sont entraînés, on les lave. Amen. Ils reçoivent le baptême. Et ensuite, pour passer du lieu saint, du parvis extérieur au lieu saint, amen, il y a une mer de verre, on ne triche pas. Il y a une mer claire, l'eau limpide. Alléluia. Frère, dis à ces gens-là qui sont là de les quitter. Ils jouent là. Ou ils entrent ou ils quittent, c'est l'église. Voyez-vous? Donc avant de quitter le parvis extérieur, pour arriver dans le lieu très saint, ici, dans le lieu saint, il y a une mer de verre. Vous devez passer par cette mer de séparation. Alléluia. Ça doit être clair. On ne peut pas tricher. Si tu triches, on le saura. Alléluia. Amen. Comment tu en es arrivé là? Tu ne peux pas en arriver là. Donc, il y a d'abord le jour du baptême, premier exode. Quand on vous baptise là, vous entrez dans la congrégation des frères. Ensuite, vous passez par le processus de la sanctification. Il y a la mer de verre, vous y passez. Toutes les saletés doivent être brûlées, doivent rester. Amen. Et puis, il y a le baptême du Saint-Esprit. Et ici, c'est le trône du Père. Le trône du Père, frère Branham dit, ce sont les sept âges de l'Église. Amen. Le trône du Père, c'est Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. C'est le trône du Père. Et Jésus est là, sous la forme de Paul, Irénée, Martin, Amen, Colomba, Luther, Wesley et frère Branham, le pentecôtiste, en train d'intercéder. Ça, c'est nous avions dit que les églises, ce sont des individus. Les sept messagers, les sept qualifications, les sept messagers,
pour amener l'Église dans cette stature. Voyez-vous cette qualification, cette messager, pour vous amener plus haut dans le mystère des sceaux, plus haut c'est le ciel, pour devenir le trône éternel. Amen. Vous amener plus haut où c'est dans Genèse 1, la totale restauration, la totale rédemption, où l'homme est là, amen, il peut amener le poisson, amen, qui était mort il y a longtemps, alléluia. Où il peut, amen, une jeune fille qui est née sans orbite, sans yeux, et il est là, il redonne les yeux, comme le frère Billy Paul disait, il a vu comme quelque chose là s'est manifesté là, entrer dans les yeux. Entrer là où il manquait les yeux. La création, la totale rédemption. Quand vous voyez cela, c'est qu'on est retourné en Éden. C'est toujours en file indienne, ce n'est pas un problème de cours. Hein, c'est qu'il y a un qui peut se montrer courageux, l'autre regarde, ah, je vais être comme celui-là, je vais aussi faire ça, je peux aussi le faire. Mes enfants, faites de bonnes imitations. Amen, il y a beaucoup de modèles sur la terre. Amen, Enoch et Michel. Amen, tous les enfants. Il y a beaucoup de faux modèles qui n'amèneront jamais la paix. Nous sommes appelés à la paix profonde avec Jésus, pas par les choses du monde. Amen. Donc dans le deuxième exode, on passe de la terre Canaan au baptême du Saint-Esprit. Alors maintenant, dans le troisième exode, qui est notre exode, on passe du baptême du Saint-Esprit. Je mets ici. Donc, baptême, troisième Exode, c'est baptême du Saint-Esprit. Et ce baptême du Saint-Esprit, c'est pour l'âme. Alléluia. Pour les élus, c'est dans l'âme. Mais il y a aussi un faux baptême du Saint-Esprit. Amen. Il faut un baptême du Saint-Esprit dans l'âme qui est l'enlèvement. Le frère Branham dira, quand cet homme-là atteint la stature parfaite de Christ, c'est un homme qui est enlevé. Cet enlèvement, ça n'a rien à voir avec la chair et le sang. C'est une révélation. C'est l'âme qui est enlevée. Amen les enfants. Nous n'allons pas monter comme X-Or ou comme Fantomax ou comme Superman. Non! Il y a encore qui Spider-Man. Non! Votre théophanie est de loin plus que Spider-Man. N'enviez pas Spider-Man. Amen! Et les enfants, c'est la fin. Et les autres. Spider-Man n'est rien par rapport à vous. Vous, vous êtes plus que Spider-Man. Vous coûtez des millions de monde dans votre théophanie. Alors le baptême du Saint-Esprit là pour un vrai croyant, c'est un enlèvement. C'est l'enlèvement de l'âme. Amen. Et puis ça vous entraîne dans les repos. C'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit dans l'âme jusqu'au pays, à la terre. Qu'on fait maintenant on appelle la terre éternelle du millénium. Amen. La terre éternelle du millénium. Et là, vous voyez un homme comme Salomon, le fils de David, discernant les pensées du cœur. Frère Branham dit, c'était un millénium amateur. Amen. Sous le sang de bouc et de taureau, on a appelé ça un millénium amateur. Alléluia. Dans la reine de Séba. La prédication de la reine de Saba, frère Branham m'appelle cela. Sous le sang des boucs et des taureaux. Oh, wow. Que Dieu me pardonne, j'écris. Je ne vais pas crier aujourd'hui. Hein, frère Tim. Que Dieu me pardonne. Frère Branham appelle cela millénium amateur. Amateur ne signifie pas petit. Amen.
amateur ne signifie pas non plus quelque chose de négligeable. Amen. C'est un millénium amateur. Bon, maintenant, sous le sang de Jésus-Christ, vous continuez toujours à appeler cela amateur. Là, frère Branham dit, tirez vos propres conclusions. C'est la terre éternelle du millénium. Frère Branham dira, dans la prédication, la demeure future de l'épouse, nous vivons dans une sainte et authentique éternité. Je parle de Genèse 1, parce que c'est cela, oh, le primum mover, c'est cela le fondement. C'est cela le fondamental du message de Frère Branham. Amener les gens à ce qu'ils étaient au commencement. Au commencement, vous étiez qui? Au commencement, vous étiez des lumières. Vous étiez la théophanie, le Saint-Esprit. Vous ramenez au Saint-Esprit. Alléluia! Vous devenez le Saint-Esprit. Oui, vous devenez le Saint-Esprit. C'est ça le message des frères Branham. Je ne parle pas de cette chair. Votre âme devient le Saint-Esprit. Citation, frère Amar, oui. Attitude qui est Dieu. Paragraphe 20, 19-20, lisez cela. Et vous faites certaines choses pour dominer le parvis extérieur. Alléluia. Vous devez le faire. Amen. On ne les élimine pas. Par moments, vous refusez un peu de manger. Amen. Pour éviter la surcharge pondérale. Frère Branham, la surcharge pondérale, c'est un démon qui peut vous tuer. Alléluia. Et dans les discernements, il prie pour quelqu'un, pour une dame là, il dit, cette dame-là a la surcharge fondérale. C'est un esprit. Il faut que ça soit chassé. Amen. Ça, c'est l'esprit gloutonnier. Vous mangez, vous mangez, vous devenez très gros. Et vous devenez lourd pour la prière. C'est le diable. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, l'esprit, la chair devient faible. Il y a des choses que je fais, toujours dans ces messages-là, pour dominer la chair, en fait d'amener la chair à se soumettre à l'âme. Yes, sir. Vous voyez? Donc, le troisième exode, c'est la terre éternelle du millénium. Donc, du baptême du Saint-Esprit à la terre éternelle du millénium. Alors, je vais récapituler. Ici, il est question du royaume. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'une église? Une église, c'est un royaume. Amen. Si on vous pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une église? Une église, c'est un royaume. Et dans ce royaume, le domaine, c'est l'église, le roi, c'est Dieu. Dieu règne sur les gens au travers du prophète. Et une église, c'est aussi un empire messianique. Alléluia. Et le Messie, c'est Christ. Christ, c'est au loin. Loin de les saints des saints. Alléluia, le Saint des Saints, c'est ici, le lieu très saint. Il s'agira plus d'oindre Jésus, l'homme de Galilée, amen, parce qu'il a été déjà loin. Il s'agira maintenant d'oindre le lieu très saint. C'est le tabernacle qui doit être utilisé dans le millénium. Et ce tabernacle-là, ce sont vos âmes. Il ne faut pas toujours ramener plus loin. Parce que frère, mon âme, il parle d'aujourd'hui. Il dit que Job, il avait dit qu'il verra les rédempteurs dans le dernier 2000 ans. Nous sommes en 2020 et Job a vu les rédempteurs debout sur la terre des États-Unis parce que quand la nuit est venue, tous les saints étaient là, même Job. Ils ont vu comment Dieu a rétabli l'homme et un homme qui pouvait arrêter la tempête. Amen. Un homme qui a fait, je crois, 7 grands miracles. Même la création, oui. On découvre aussi que même Jésus avait créé. Oui, par moment, nous disons que Jésus n'a pas créé. Oui, moi, je crois que Jésus a créé. Jésus a créé quand? Jésus a créé lors de la résurrection de Lazare. Parce que 3 jours après, il y a des résurrections où c'est le premier jour.
Amen. Parce que l'homme voyage. Amen. Mais quand quelqu'un dépasse 3 jours, c'est la décomposition de la chair. Hein, Fatim? Quand au-delà de 3 jours, la chair se décompose. L'âme est allée très loin. L'homme commence à pourrir. C'est très grave. Et je viens à parler. Amen. Il y a eu une récréation. C'est-à-dire que les Alléluia. La poussière s'est rétablie, l'homme de Genèse 2, et puis il a appelé l'âme à revenir. C'était une création. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Scientifiquement parlant, 3 jours après, amen, c'est déjà la décomposition. Il faut une puissance. Et Jésus dira, vous ferez davantage. Frère Branham l'a fait encore sérieusement avec un poisson dont les entrailles étaient déjà sorties. Il lui a redonné la vie. Amen. Et le prophète qui est Jésus-Christ le fait davantage en recréant le fils et les filles de Dieu. Et ce qu'Adam n'a pas pu faire, parce qu'il a été donné à Adam de peupler le monde avec des fils paroles, Adam a échoué. Mais Jésus, au temps de la fin, au travers du prophète, par la parole parlée, qui est la semence originelle, il y a de nouveau des fils et des filles de Dieu qui peuplent le monde. Amen. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une église? Une église, c'est un groupe de gens appelés à sortir d'Égypte, appelés à sortir du monde. Des gens qui sont différents du monde, des gens qui n'ont pas les habitudes du monde. Des gens qui ne réfléchissent pas comme le monde. Des gens qui sont délivrés du monde. Amen. Amen. C'est ça l'église. C'est nous pouvons être sans. S'il y a encore des mondains parmi nous, des gens, bon, il faut beaucoup travailler pour que nous soyons réellement une église. Là, c'est une question individuelle. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'une église? C'est le royaume de Dieu. Amen. Le royaume où Jésus-Christ est roi. C'est ce que nous avions dit que Jésus, nous ne l'acceptons pas que comme sauveur dans les parvis extérieurs, mais comme Seigneur. Alléluia. Amen. C'est lui qui règne sur nos cœurs. Nous, les sujets rachetés. C'est ça. Avant de faire quelque chose, que c'est la volonté de Dieu. Donc je suis dirigé par mon Seigneur. Pas par la famille, pas par les frères de la famille, par papa, je suis dirigé par le Seigneur. Pour avoir la conduite du Seigneur, il faut y aller par la généalogie, agestement d'être pressé et rencontrer le Logos, et le Logos vous conduira dans sa volonté. C'est cela la vraie chrétienté. Amen. Amen. La volonté de Dieu, la volonté du Seigneur. C'est ça la première définition. L'Église, c'est quoi? C'est aussi l'empire messianique où on a l'onction du Messie. Et Frère Branham dit, vous êtes des messiettes. Amen. L'Église, groupe de gens différents de Sodome, différents des Belges, groupe de gens différents des Congolais, différents des Camerounais, différents des Américains. Comme je disais à mon épouse aujourd'hui, Frère Branham, il dit dans quel message encore? Ça doit être dans les rois rejetés ou dans un message que je disais. Il dit que c'est comme là-bas, en France, en Allemagne, même à Stockholm, il est dit déjà vers les années 60 et quelques, il y a des gens qui font les skis nus. Et là-bas, c'est des carcasses, des carcasses comme les jeunes gens de Dallas. Parce que Dallas, là-bas, c'est quoi? C'est la drogue, c'est les revolvers. Et voilà, c'est ça l'esprit démoniaque. Où vous voyez des jeunes gens là, ils sont dans la drogue. Ils ne veulent plus travailler, ils ne veulent pas étudier. Ils sont là, ils veulent l'argent facile. L'argent, c'est vous travaillez, vous êtes patient, vous attendez. Amen. Donc vous travaillez et vous pouvez aller plus loin, même dans vos études. Vous êtes patient. Ne vivez pas par l'argent. Ne faites pas des qualités par l'argent. Attendez-vous au Seigneur. Amen.
Hier, je suis venu ici à l'église. Je suis venu à l'église prier un peu. Et puis, quand je rentrais là devant, il y avait des jeunes gens. Non, voilà, ils entendent des Africains, des Arabes. Dieu vous a fait quitter l'Afrique des misères. Il vous amène ici. C'est une opportunité, il faut en profiter. Amen. Vous êtes là en l'air. Je vois. Vous verrez que, par exemple, j'ai donné cours à des adolescents. Il y avait une Pakistanaise et un Djiboutien. Ce sont des gens qui sont venus ici en Belgique. En secondaire supérieur, ils doivent aller maintenant au bachelier. Alors, ce sont des jeunes gens très consciencieux, très sérieux, qui étudient sérieusement. Pourtant, ils avaient des problèmes de français. Mais ils bossent. Il y a un autre qui était très noir. Les autres se moquaient terriblement de lui. Parce que ils se croient blancs. Se moquaient de lui, mais ça ne les déroutait pas. Il était sérieux. Et maintenant, quand il fallait expliquer la comptabilité, les mathématiques, les statistiques, il venait chez lui. Lui aussi n'était pas rancunier. Il les expliquait. Mais comment ces jeunes gens-là qui demandent, ils sont nés ici. Ils cherchent l'argent, ils sont là, dans les jobs et tout. Mais ces jeunes gens-là, et puis quand on a fait la proclamation, les meilleurs avec des bons résultats, c'était cette Pakistanaise-là. Et c'est Djiboutien-là qui devrait en principe fuir l'école parce que ça n'allait pas. Il est très noir. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Ça n'a rien à voir. Amen. Si vous êtes bosseur, vous allez les diriger. C'est comme ça que Dieu, il a donné ce pays aux Belges. Ils ont négligé. Il appelle les Arabes. Ils négligent. Dieu va commencer à appeler les gens pour que ces gens-là puissent labourer. Amen. Amen. Parce qu'il faut être comme Abraham. Vous arrivez quelque part, vous dominez. Amen. Ça, c'est le message que je vous donne, les jeunes gens. Vous dominez. Là où se trouve le plant de vos pieds, vous possédez l'endroit. Amen. Amen. C'est ça, Abraham. Il est venu quelque part pauvre. Il est devenu riche. Amen. Je parle de la vraie prospérité. C'est quand le Seigneur, quand tu te consacres, Amen. Amen. Tu es dans l'onction, tu es dans la présence de Dieu. Demande ce que tu veux. Tu verras que Dieu sera miraculé dans ta vie. Tu ne manqueras de rien. Je ne dis pas que tu deviennes millionnaire ou milliardaire. Dieu va t'assister. Amen. Les autres vont aussi s'étonner. Amen. Nous voulons ça. Et c'est ça aussi le message. Amen. C'est ça la vraie prospérité. Oui, c'est quand nous entrons dans l'onction. C'est ce qu'on vous demande, mes enfants, d'entrer dans la prière, de prier. Amen. D'entrer dans cette présence-là surnaturelle par la prière. Vous verrez les miracles des frères maintenant vous accompagner. Et c'est ça la vraie église. Amen. Dieu ne va pas vous abandonner. Alléluia. Vous ne manquerez de rien parce qu'il est Jéhovah Jireh. S'il y a une maladie, la maladie partira. Amen. Parce qu'il est Jéhovah Rapha. Parce que vous êtes en communion parfaite avec Dieu. Alléluia. Et vous êtes des rois. Amen. Si Dieu est avec vous, vous êtes Israël. Et Dieu va vous accompagner. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bon, je vais lire, hein, je vais vous parler. Je vais maintenant lire comment on a rejeté. Donc là, vous allez lire dans Samuel. Hein. Nous avons notre prophète Samuel ici. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Chaque père travaille avec ses enfants. Amen. Amen. Son fils premier se nommait Joël et le second Abija. Ils étaient juges à Beersheba. Mais les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces.
Il s'est livré à la cupidité, recevait des présents, comme vont tous ces enfants qui viennent ici. Amen. Peut-être les parents travaillaient sérieusement, mais et c'est fini tout ça. Ils sont dans l'argent facile. Amen. Ils sont dans l'argent facile. Et ça va les démolir. Ils ne marchent plus sur les traces de leurs parents. Leurs parents étaient peut-être plus sérieux. Voyez-vous, au lieu qu'ils soient un peu beaucoup plus sérieux que leurs parents, c'est la rétrogradation. Que Dieu nous aide. Amen les enfants. Nous vous amenons à des niveaux supérieurs. Normalement, vous devez être plus que nous. Amen. Je vais dans des amens chez les enfants. Amen. Amen. Dans vos foyers, les enfants, préparez des prédications. Amen. Prêchez vos parents. Amen. Moi, ces derniers temps, c'est ce que j'ai fait. Et qu'ils prêchent. Amen. Allez, William, c'est toi aujourd'hui qui va prêcher. Neville, tu vas prêcher. Séraphin, tu lis la Bible. J'attends que Chadra prêche. Hein? C'est qui? Narcisse, hein? Il prêche. Hein? Un jour, allez, aujourd'hui, c'est Ryan qui va nous exhorter à l'église. Il passe là. Parce que le ministère est prophétique. Mais le ministère, c'est le ministère de l'Église. Tu passes là devant. Tu exhortes. Oh, merci Seigneur. Alléluia. C'est ça notre désir. Vous êtes là derrière là. Vous n'avez pas peur de témoigner de Jésus devant tous ces jeunes bandits là. Amen. Mais Jésus vous aime. Jésus vous sauve. Parmi ces bandits là, il y a des enfants de Dieu. Yes. C'est vous qui devez apporter le message. C'est ça la vraie Église. Amen. Hein, Michel? Shadrach? Hein? Donc, c'est cela. Enoch? Ça va? C'est cela. Tes amis là, parle-lui de Jésus. Parle-leur de Jésus. Lise Rachel, parlez de Jésus. Gabriel, n'ayez pas honte de Jésus. Amen. Parle-lui, dites-leur que je suis chrétien. Hein? Après Samuel est passé par là, il connaît les jeunes gens d'ici. Hein? Il les connaît très bien. Mais vous êtes différents. Vous êtes appelés à sortir. C'est ça la vraie Église. Ne les ressemblez pas. Gloire à Dieu. Maintenant, écoutez. Le fils de Samuel ne marchait point sur ses traces. Il s'est livré à la cupidité, recevait des présents. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les autres nations. Voyez, Israël a voulu ressembler aux nations. Vous voulez ressembler à tous ces jeunes gens-là, ne les ressemblez pas. Amen. Ne vous habillez pas comme elle ou comme eux. Vous êtes différents. Amen. Un sacerdoce différent. Vous êtes des Nazaréens appelés à la consécration. Vous êtes l'église du Dieu vivant. Sortez du monde. Samuel vit avec des plaisirs. Samuel vit avec des plaisirs. Qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Écoutez maintenant. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Ouais, Dieu est démocrate. Car ce n'est pas toi qu'il rejette. C'est moi qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux. Dieu doit régner sur nous. Nous prions en famille. Dieu doit régner sur nous. Amen. Gloire à Dieu. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Premier Exode, deuxième Exode, troisième Exode, ainsi de suite. Voyez, donc, c'est cela. Maintenant, je fais juste une petite récapitulation de tout ce que je dis. Donc, il est question de l'homme intérieur. Hein? Et ceci est un message d'enseignement qui se rapporte à l'homme qui va être racheté à l'intérieur par le sang. Donc tout ce que nous faisons ici, c'est pour votre âme.
Hein, ma sœur Blessing et tous les enfants, vous avez reçu les réponses à tous vos questionnements. Il est question de l'homme intérieur. L'enlèvement, c'est l'homme intérieur. Le millénium, c'est l'homme intérieur. Alléluia! L'éternité, c'est l'homme intérieur. La chair ici, c'est la poussière. Amen. Notre chair est péché. Frère Banam dit, il ne s'agit pas de cette chair. Celle-ci, moi. Il s'agit de cet homme intérieur qui se fonde par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est ça le message de l'Église. Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous retourné à Genèse 1? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Si vous êtes de Genèse 1, vous agirez différemment. Amen. Amen. Le mot église, hein, je répète pour que ça entre encore bien, tout ce que j'ai dit là, le mot église dans chacun de ces sujets que j'ai choisi ce soir, pour essayer de vous en parler, quelques-uns d'entre eux sont, qu'est-ce que c'est que l'église? Nous avons eu la réponse, amen. Royaume, empire messianique, groupe de gens, sorti d'Égypte, sorti de Sodome, quel est son message? Voilà le message, la nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit, l'exode du baptême du Saint-Esprit au pays éternel du millénium. C'est ça le message. Amen. Quel est le message de l'Église? C'est le message de Malachie 4. Amen. Amen. Je vais essayer de voir Malachie 4. Le message de Malachie 4 dit quoi? Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Je vais lire ça, je vais retrouver ça. Et vous verrez ce que Frère Branham dit. Malachie 4. Amen. Quel est le message de l'Église? C'est Malachie 4. Alléluia. Amen. Et vous verrez comment Frère Branham dit que Malachie 4, c'est différent de Malachie 3. Jean-Baptiste n'est pas dans Malachie 4. Je vais lire ça. Quel est le message de l'Église? C'est Malachie 4. Voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les autels seront réduits en chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Mais pour vous qui craignez mon nom, c'est le verre de l'Éternel des armées. Avec la guérison sous ses ailes. Amen. Amen. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur, pas la tête, pas les cerveaux, pas les habits, le cœur des enfants à leur père. Le père, ce sont des juifs. Donc il va nous ramener à la doctrine apostolique des juifs, les 12 apôtres. Amen. Amen. Et ensuite, il va ramener les juifs. Amen. Donc Malachie 4 comprend les nations, l'épouse, nous. Et les juifs. Amen. C'est Frère Branham dira, j'ai toujours cru que j'ai quelque chose à faire dans le fait de ramener Israël au Seigneur. Je vais attendre des amens. Amen. Hier, yeah, je lisais Mouzé et Tim. Je ne sais pas si tu as suivi ces rabbins-là avec la barbe. Ils parlent de Frère Branham. Tu n'as pas suivi ça? C'est pas un rabbin. C'est pas un rabbin. C'est qui? On dit qu'il est juif. Non. Avec, bon, il a laissé la barbe. Mais quand il parle de Frère Branham, c'est terrible. Donc il y en a qui disent que c'est un rabbin, il y en a qui disent que ce ne sont pas un rabbin. Anyway. Ok. Mais du temps déjà de Frère Branham, il y a un rabbin qui a rencontré Frère Branham. Qui a découvert les dons du discernement. Il a dit, mon Jésus, mon Jésus. Amen. Écoutez maintenant ici. Malachie 4 déclare cela. Voici, je vous enverrai Élie dans les derniers jours. C'est exact. Ça, c'est quel message? C'est Dieu confirmant sa parole. Hein? Dieu confirmant sa parole, paragraphe 108. Malachie 4 déclare cela. Voici, je vous enverrai Élie dans les derniers jours. C'est exact. Il ramènera la foi des enfants. Le cœur, la foi, le penser de vos cœurs. Parce que la foi, ce sont les pensées.
Si vos pensées sont de Dieu, c'est la véritable foi. Si les pensées de vos cœurs sont du diable, c'est l'incrédulité. Vous êtes possédé des démons. Mais si ce sont les pensées de Dieu, vous êtes la possession de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Malachie 4 déclare, cela voici, je vous enverrai Élie le prophète dans les derniers jours. Il ramènera la foi des enfants à celle des pères, et aussi la foi des pères à celle des enfants. Vous voyez, cela doit se faire. Vous dites bien, ça c'était Jean-Baptiste. Non! Non. Jean-Baptiste était Malachie 3, c'est vrai. Matthieu 11 l'a dit. Jean-Baptiste, parce que nous, quand on avait cru, la portion là, les cœurs de père aux enfants, on disait que ce n'est pas frère Branham, c'est frère Branham aussi, il doit ramener le père. Amen. Le père, c'est qui? Ce sont les juifs. Il ramène nous, les enfants, au père. Alléluia. Et puis il prend le père, il les ramène à la foi véritable que nous, nous avons reçue. C'est que frère Branham dira, de la même manière qu'un juif a ramené le message aux gentils, les gentils les ramèneront aux juifs. Alléluia. Et l'enlèvement aura lieu. Là, nous sommes dans Aigle. Amen. Quatrième saut. C'est ce que frère Branham dira. Amen. Pour ouvrir tous les sceaux, il faut le septième sceau. Et le septième sceau ramène Jésus sur la terre. Alléluia. Il accomplit tout et puis il vous révèle. Et quand Jésus descend, c'est lui qui ramène dans le ministère prophétique. Amen. Yes. C'est ce que le ministère de William O. Branham, c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ à l'exception du corps physique. Nous n'adorons pas ce corps physique. Pourquoi? Parce que l'église n'a rien à voir avec la chair et le sang. C'est le problème de l'homme intérieur. Amen. Neville, ça va? Tu comprends? Amen. Je vais te poser des questions à la maison. Si vous pouvez comprendre cela, paragraphe 58, c'est celui dont il a été dit, voici j'envoie mon messager devant ma face. Ça c'est Élie Jean-Baptiste. C'était bien sûr Élie, Jésus l'a dit. Mais ce n'était pas du tout l'Élie de Malachie 4. Car immédiatement après ce message, la terre doit être brûlée par le feu et les justes doivent marcher sur la cendre des méchants. Cela n'est donc jamais arrivé du temps des gens. Amen. Et frère Branham, quand il regarde les États-Unis, ce sont les cendres. Amen. Il y a un feu spirituel qui détruit le monde. Le souffle qui sort de la bouche de l'Éternel, qui est descendu dans Apocalypse chapitre 10, ça détruit le monde. Et ce qui reste pour le monde, c'est juste l'explosion atomique qui viendra de la Russie. C'est tout. Amen. Et l'explosion ne peut pas détruire l'homme de Genèse 1. Pour ne pas trop vous fatiguer, je vais lire deux ou quelques citations et puis on va terminer. Écoutez ce qui est dit. Il est aussi écrit dans Apocalypse 10 au chapitre 19 que nous le voyons venir, l'épouse et l'époux. Son vêtement teint de sang, il s'appelle la parole de Dieu. La parole, c'est quoi? C'est l'écriture rendue manifeste par la présence divine. Quand vous avez une écriture, il faut que Dieu descende pour vivifier cette écriture. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de la parole. La révélation de la parole. Et notre nom, c'est la parole de Dieu. Cela veut dire qu'il est la puissance qui vivifie. Amen. Dieu a dit qu'il va guérir. Tu es malade, il descend, il te guérit. Dieu a dit qu'il va te consoler. Amen. Tu t'attends à une situation, Dieu vient et il répond. Alléluia. Oh, tu dis gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est, je pensais que c'était impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Amen. Il n'y a pas à s'inquiéter. C'est lui qui tient ma vie. Amen. Souviens-toi de Jésus. Il essuie les tristes larmes. Il est là avec Jésus. Tu peux le faire. Gloire à Dieu. Il n'y a pas à s'inquiéter. Jésus est là. Il a confondu la mer rouge. Amen. Amen. Les choses dont nous parlons, il faut que ça vienne dans nos vies. Amen. Amen. C'est cela l'objectif du message. Mais ça vient dans nos vies comment? C'est quand nous entrons, nous avons ce désir d'entrer dans la présence de
y a une part, faites tous vos efforts, votre part à vous, et le Seigneur fera sa part. Amen. Amen. C'est ce qu'il est, c'est ce qu'est le Saint-Esprit. La dynamique qui entre dans la mécanique, les paroles qui les vivifient, et tout cela doit marcher ensemble, sinon ça ne marchera tout simplement pas. Il faut prendre toute la Bible, tout Christ, le plein de vous. C'est ça le message de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église, c'est le royaume de Dieu. C'est l'empire messianique. C'est des gens, amen, appelés à sortir et qui sont sortis. Ce ne sont pas des simples peuples de Dieu, mais c'est des groupes de gens différents. Donc, je vais lire l'envoi rejeté et puis on va terminer. Je termine maintenant, mes enfants. Je termine. Hein. C'est là. Dans 5 minutes, je termine. Le roi rejeté. Ah, je suis là. Le roi rejeté. Le roi rejeté au travers des prophètes. C'était une époque, dans paragraphe 35-38, c'était une époque où, comme à toutes les époques, les gens ne voulaient pas du tout que Dieu les conduise. C'est aussi aujourd'hui, les gens ne veulent pas que Dieu les conduise. Les gens veulent être conduits à leur manière, à eux. Là, vous n'êtes pas encore une église. Cette histoire ce matin, et quand vous rentrerez chez vous, ce serait bien pour vous de lire d'un bout à l'autre. Les enfants vous écoutez. Ils veulent être conduits à leur manière. Non, Dieu doit vous conduire. Ça s'est passé à l'époque du temps de Samuel. L'homme de Dieu, le prophète, il avait été un homme juste, un brave homme, honorable, de bonne réputation, loyal et honnête envers les gens. Il ne les avait jamais induits en erreur. Il ne leur disait rien d'autre que « Ainsi dit le Seigneur ». Mais les gens en étaient arrivés au point où ils voulaient modifier ces programmes-là. Frère, c'est comme ça? Non, ce n'est pas comme ça, frère. Qu'est-ce qu'on peut faire, frère Tim? Nous disons que nous n'avons pas de magie ici. Rien à faire. On n'a pas de magie, on vous présente la parole, nous sommes passés par là, c'est tout. Ils avaient observé les Philistins, ils avaient observé les Bruxellois, les Parisiens. Hein? Les Quinois, les Gomatraciens ou les gens de Goma, ils ont observé les gens de Goma, les gens du Cameroun, ils les ont observés, nous vont être complets. Ah bon? Mais voici le programme, non? Ils avaient observé les Philistins, les Amalécites, les Amoréens, les Hessiens, les autres nations du monde. Ils avaient vu qu'ils avaient des rois qui régnait sur eux. Et ces rois-là, aujourd'hui, ce sont vos sentiments, vos imaginations, vos mémoires, vos raisonnements. Amen. Et tous ces 5 sens-là de l'esprit, vos vues, vos odorats, vos oui, vos touchés, tout cela, tous ces 5 sens du corps, vous êtes des rois qui vous règnent, qui dirigent sur vous, qui règnent sur vous. Voyez-vous, vous avez des imaginations impossibles. Il y a des imaginations qui entrent par les téléphones cellulaires, vos programmes là, les télévisions. C'est quoi, mon âme dira, donnez-moi un revolver, je vais la faire sauter. Et vous, les parents, ne laissez pas tout le temps vos enfants avec les téléphones. À un moment donné, allez, remettez tous vos téléphones, remettez. Lisez un livre. Alléluia. Il y a des psychologues qui disent que ça détruit les enfants. Les mathématiques, hein. Papa, au téléphone, moi je lis la Bible, Parce que ça va affaiblir tes neurones. Amen. À un moment donné, allez, tous les téléphones sur la table. Allez prendre vos livres, vos cahiers, vos notes. Pendant les vacances, je vous apprends. Il faut étudier. Étudier. Oh papa, c'est le... Non, admets-les. Équation à deux inconnus résolvés. Et toi, viens, allez,
progression géométrique. Faites. Toi, allez, dicter. Viens, on va te dicter. Alléluia. Pendant les vacances, travaillez. Dieu bénit les efforts. Amen. Vous avez déjà des bons parents qui essaient de vous suivre. Amen. Nous ne sommes pas de ces parents-là qui sont démissionnaires, tout en dans des cafés remplis. Ton fils est en quelle année? Oh, quel fils? Oh, je sais pas. Hey, madame, il est encore en quelle année mon fils là? Ah bon? Démissionnaire, on va t'arracher l'enfant. Le journal de classe de l'enfant, tu ne connais même pas la couleur. Les réunions de parents, on ne connaît pas ton visage. Mais si les gens du monde te jugent, a fortiori, pourquoi t'as donné ces enfants? Que Dieu nous aide. Et vous avez le message du temps de la fin. Faut voir frère Branham quand il parle de son fils Joseph. Non, il a eu un problème de lecture, mais je l'ai laissé là-bas, il doit revoir pour passer son examen. Il suivait. Vous êtes tout le temps parti, 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 parti. Et qui prendra soin des enfants? La nature a horreur de vide. Quelqu'un d'autre va les diriger. D'autres rois qui veulent avoir le trône. Que Dieu nous aide. Amen. Un papa doit être présent. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. Un papa doit être présent. Vous voulez des enfants, oui. Un gros Samuel. Du coup, paf, triplé. Ah, il faut être présent. Parce que maman peut être fatiguée. Et puis, toi, tu es là, tu te réveilles. Il faut que tu sentes ce que c'est d'avoir des enfants. Obed, tu es là. Mais c'est difficile d'avoir un bébé, hein. Séraphin, hein, vous avez trois chambres bon, et puis sans compter la chambre des parents, mais il n'y a que trois chambres. Il faut pas. Tu as 20 enfants que tu ne connais même pas. 30 enfants. Ça, c'est comme des Égyptiens. C'est grave. Bon, je termine. Oh, excusez-moi vraiment. Ils avaient vu que eux avaient des voix. Qui les guidait, qui conduisait leur combat, et ainsi de suite. Et il semble donc qu'Israël voulait suivre l'exemple de ces rois-là et de ces peuples-là. Mais ça n'a jamais été l'intention de dire à aucune époque que son peuple agisse comme les gens du monde. Amen. Vous venez avec les histoires que vous ajoutez sur les yeux, des habits bizarres et transparents. Tu viens chez moi, tu n'entres pas. Mon épouse Nicole, donne-lui un pagne. On te donne le pagne si tu as, tu parles. Moi, j'ai déjà donné le pagne à quelqu'un dans ma maison. Tu entres là, tu tiens jusqu'ici, mais qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Tu viens sorceller ma maison. Tu dis, allez, on lui donne ton pagne comme ça, tu seras à l'aise quand même. Amen. Mais ça n'a jamais été l'intention de Dieu à aucune époque que son peuple agisse comme les gens du monde. Ou qu'il soit gouverné ou dirigé comme les gens du monde. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple particulier. Un peuple différent, appelé à sortir séparé des gens qui dans leurs actions, dans leurs manières, dans leur façon de vivre, sont complètement différents des peuples de ce monde. C'est ça l'Église. Les choses auxquelles ils aspirent et leur nature tout entière ont toujours été contraires aux choses auxquelles aspirent les gens du monde. Amen. Voilà. Les choses auxquelles ils aspirent et leur nature tout entière ont toujours été contraires aux choses auxquelles aspirent les gens du monde. C'est ça l'Église. C'est ça l'identité de la vraie. Nous avons répondu à la première question. Qu'est-ce que c'est qu'une église? Empire messianique, royaume, où l'église est un domaine, Dieu règne. Qu'est-ce que c'est qu'une église? Un groupe de gens appelés différents des gens du monde. Pas comme les Philistins, comme les Bruxellois, comme les Molenbeekois, comme les Anderlecois, ainsi de suite. Comme les Montois. Lui, il est du ciel. Amen. Ça, la vraie Église. Que Dieu vous bénisse.